James chapter 4, verses 13 and 17. Jacques chapitre 4, verset 13 à 17. Ma fait pour vous-même dans deux langues. James chapter 4, verses 13 through 17. And this is what it says. Look here. You who say today or tomorrow we are going to a certain town and will stay there for a year. We will do business there and make a profit. How do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like the morning fog. It's here a little while, then it's gone. What you ought to say, if the Lord wants us to, we will leave and do this or that. Otherwise, you are boasting about your own pretentious plans. And all such boasting is evil. Remember, it is a sin to know what you ought to do and then not do it. Jacques, chapitre 4, verset 13 à 17. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville et nous y passerons une année et nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fier de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est une mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Merci. Asseyez-vous. Thank you. You may be seated. Just a quick announcement. I think Pastor Jonas missed this one. Lee, oublié ça. Oublié. Quatrième dimanche mois de novembre. Dernier dimanche mois de novembre. C'est jour après nous fin célébrer Thanksgiving la caille nous. Et puis pour monsieur l'église yo, m'a demandé monsieur l'église levez moi au moins s'il vous plaît. Gain monsieur pas là, gain monsieur pas là. C'est nous mêmes qui fait manger. Quatrième dimanche mois de novembre qu'on baï manger. Mais ça me t'aime mon comprendre. Pas parce que nous pas qu'on mène nous grâce à Dieu nous qu'on mène nous après ça dit que mon seul bagage m'a mando pour capable présent pas vrai et deuxième bagage on va faire pour nous-mêmes inviter famille ou inviter amis ou parce que c'est un dimanche ou pas vouloir rater qui date nous quatrième dimanche mois de novembre. Mesdames, vous connaissez bagay yo. Mais yon seul bagay pour même année ça a une surprise. Gen bagay ou pas t'espérer ou ouais. Gen bagay qui pral fait ou a dit bon ou tann pour monsieur yo année prochaine pour qu'apprend yo. Mais yon grain bagay pour toujours kembe dans tête. Ancien bon, toujours bon. Que mon Dieu bénisse. Fonnerie, hein? Fonnerie.
Aussi nous dit, qu'on est Pasteur Jonas Fell, Elsa and Jerry, welcome to Shekinah Worship Center and the children. It's really good to have you worshiping with us this morning. Thank you very much for coming. Rapidement. Semaine dernière, nous tenons un message qui est seulement deux parties là-dedans. Côté, tellement anglais, il dit comme ça. Surrendering our plans to God's plan. Et il dit français, c'est abandonner nos plans au plan de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 13 à 17. Il y a un bagage que nous t'ai considéré ensemble avec vous-même. C'est une belle question que l'apôtre Jacques t'a posée. Côté monsieur, il dit comme ça, est-ce qu'on même connaît demain? Ça pourra le passer demain. Et monsieur posait une question que moi-même, avec ou même assez souvent, nous posons tête, nous. And I don't, par contre pour vous-même, but gende l'aime qu'on pose tête, moi, une série de questions. Me dit, pour qui ça, c'est moi-même? Et monsieur posait une question, comprendre que nous, tout bon point dans la vie, nous posons tête, nous, question ça. Côté, nous dit comme ça, qu'est-ce que la vie? What is life? Côté, nous t'es d'accord? It was a very familiar question that I've asked and you've asked so many times. Quand ils me posaient question ça, ou même posaient question ça, ou plusieurs fois dans la vie. Cependant, je veux dire que nous t'ai réalisé, là nous garder dans Proverbe chapitre 21, le verset 15. Côté qui dit comme ça, il dit comme ça que l'instruit nous pour dire comme ça que if you have the French, if you don't, I'll read it in English, that's fine. Il dit comme ça que the plans of the diligent lead to plenty, but everyone who is hasty comes only to poverty. L'homme est pressé, c'est mot hestia. L'homme est trop pressé ou pressé. Ou toujours fait erreur dans la vie. Il y a un monde qui est trop pressé, il n'a pas jamais pris le temps pour planifier un jour dans la ville. Et pour le capable aboutir à rien dans le futur. Pour quelle raison me dit ça? Vous voulez comprendre, ce n'est pas les super intelligents qui jamais arrivent à faire gros bagailles dans la vie. Moun sa qui planifie, gen moun qui a fait 1 million de dollars dans la ville, li pa jam abouti à rien dans la ville. Mais yon moun seul a fait 50 dollars, li abouti avec un pile bagage dans la ville, parce que moun sa croit dans la planification. Yon moun qui pa jam planifié, la vie moun sa pa capable. Profitable. Parce que moun sa assez souvent l'or gagné qui sacrive ou gen doit gagner en pile c'est vrai dans mon gâté tout sac dans mon yo parce qu'on pas jam connaît un jour pour planifier. Gen bagay que bon Dieu fò kado, gen opportunité que bon Dieu ba ou. Son grâce que le faire ou obligé gérer sa bon Dieu ba ou pour planifier sous lui-même pour capable aboutir à quelque chose. Et aussi nous t'ai mentionné juste gen un plan seulement.
Il prend un bon bagaille. Tout plan qu'on fait sans bon Dieu, il est sujet à échouer. C'est ça qui fait que moun même l'al pa gen rien depuis li invité bon Dieu dans tout ça le fait, il toujours joine bénédiction là-dedans parce que il connaît que bon Dieu a ba l'intelligence et sagesse pour aboutir à n'importe côté il doit arriver. Et aussi nous t'ai mentionné bao même Satan t'es faible. Mais si Satan t'es faible, comment faire moi-même avec vous-même pas capable de faire plan? Le problème, Satan a un plan, ça Satan t'es fait, il te fait un plan pour l'échouer. Parce que plan, ça t'es gagné, il n'y a pas de volonté, mon Dieu. Parce que pour quelle raison, monsieur t'es voulu descendre créateur là pour créature là prend place créateur. Selon Isaïe chapitre 14, verset 13 à 14. Et nous avons conclu dans le premier point, nous avons dit comme ça que, dit pas une mauvaise chose du tout pour yon moun fait plan. Mais tout plan fait, il faut inviter bon Dieu là-dedans pour capable porter succès, pour capable faire réussite. Mais cependant, l'offre garder premier point, hein, mais une question qu'on a supposé poser. La question qu'on a supposé poser, c'est qui réalité qui existait dans ce que ça dit. Nous sommes capables de dire que il y a trois réalités qui existaient, qui sont capables de rendre plan nous humble aux yeux de Dieu. What are those realities? Soit suivre ensemble avec moi-même. Gardez versets 14 et 15. If you look at verses 14 and 15, vous pouvez marquer un bagaille. Premier bagaille qui dit dans verset 14, dans premier partie verset, hein? Et Jacques a adressé un sujet que moi-même, ensemble avec vous-même, assez souvent, nous pas penser avec les mêmes. One of the things that he is addressing is certain things that yet we have yet to address most of the time when you are thinking about our plans. Premier bagage, monsieur a adressé là-dedans, dans verset 14, il a adressé l'incertitude du futur. Futur tout le monde qui l'a li incertain. Parce que moi pas connais ça qui va venir demain ou pas connais ça qui va venir demain. Jodi a du 15 qui pas l'avoir dans l'autre seconde qui l'a du 15 pas exister encore ou qu'a penser ou la dimanche prochain et puis bon Dieu décider pour pas la dimanche. The uncertainty, l'incertitude du futur. Peut-être qu'il y en a même qui planifiaient pour paraître dans le travail demain si tu veux. Mais on ne connaît pas que si dans le plan, bon Dieu, gagne un lundi pour nous-mêmes. Il y en a même qui planifiaient pour nous célébrer Thanksgiving. Mais nous pas réellement connaît que si dans le plan, bon Dieu, pour nous célébrer Thanksgiving année ça. Il y a nous-mêmes qui planifions pour nous venir dans un service dimanche, dans mi-temps semaine, mais nous ne connaissons pas s'il y a un plan, bon Dieu, pour un bagage qu'on s'appelle. Parce que pas qu'il y a nous qui reconnaît et qui connaît qui ça, bon Dieu, qui a un plan pour nous-mêmes. Nous connaissons ça, nous avons dit actuel. Mais seconde qui vient, nous ne connaissons pas parce que le pas appartient à nous-mêmes, il appartient à Dieu et à Dieu seul. And this lack of knowledge, ou bien manque de connaissance, ça, c'est pas dans la vie, nous seulement, il existe. Il est aussi vrai dans la santé, non?
Est-ce qu'on connaît ce qui, si je dis, on va parler d'emergency room et vous prêt pour une opération faite sans pas te connaître? Est-ce qu'on connaît que job ça a gagné ou a fait intéressant là-dedans? Est-ce qu'on connaît que job ça ou après été là-dedans pour juste ton retired? Ou bien est-ce que demain, si ce n'est pas le dernier jour dans le job là? Kaisa qui faut pas qu'à adorer bon Dieu qui fait une broyon cadeau. Est-ce qu'on connaît que Kaisa lui appartient à ou même c'est vrai pour qu'on y est là? Mon pas connaît demain ça qui arrive. Nous avons fait plein sur toute bagaille ça. Et le sage pour nous planifier. Mais il faut nous connaître que nous pas qu'à arrogant les planifier les pour avec futur nous. Why do you say that, Jenkins? Because nous pas capable. Pour qui raison me dit ça? C'est à faire le descendre dans la deuxième partie, verset 14 là. Et Jacques a adressé un bagage qui est très important. Jacques a adressé ce qui est de frailty of our lives, la fragilité de nos vies. Vie fragile. Sou kembe nen ou ferme bouche ou, m garanti ou pa ka fè 2 minutes comme ça. N'est-ce pas vrai? Ou pa capable. Kembe nen ou ferme bouche ou pa capable respirer, c'est ça ou fin capable comprendre. Seulement yon ti tête fait mal, seulement capable poto aller, seulement yon accident machine capable poto aller, seulement yon stroke capable poto aller, mais frère la vie ou fragile. Lorsque vous connaissez la vie fragile, vous agissez en l'autre façon, vous menez-vous en l'autre façon, vous comprenez en l'autre bagage, vous planifiez selon la, selon ça, bon Dieu voulait, Jean bon Dieu mandé pour faire. Le monde planifié à long terme, c'est une présomption de durabilité maintenant que le fait. Et le monde basé sur présomption de durabilité, combien de temps l'a fait pour le vivre, comment le capable de vivre, il n'a pas même mettre mon Dieu dans sa l'affaire. Assez souvent, le monde n'a pas réalisé, il n'est pas raisonnable pour le monde accrocher espoir. Sous ça, le connaît. Pour quelle raison? Besoin bagaille. Sous pour mato. Pas vrai? Ou pour mato. Ou pour un clou. M'a soufflé bubbles. Bulle de savon. M'a soufflé lèvres. Courir derrière chaque boule ça. Essayez de prendre un clou avec un marteau pour péter, est-ce qu'on est capable? Logiquement parlant, on n'est pas capable. Parce qu'on a toujours mis opportunité. Parce que l'ici tellement léger, le bras rapide, à chaque coup ou bondi pour capable frapper ma toi avec loi, il déjà dépassé déjà au Mr. Mark. C'est la vie de l'homme. À chaque seconde qui passait, à chaque minute qui passait, on doit réaliser
son opportunité qu'on gagne pour vivre toujours parce que la vie est fragile. Ou à venir capable de réaliser aussi lors de son piba dans verset 15. Ou à venir réaliser la suprématie de la volonté de Dieu. The supremacy of the will of God. Mais, Duquesne, ça Jacques l'a dit là, ça Jacques l'a dit. Jacques dit comme ça, c'est pas tout simplement nous capables et dit si c'est la volonté de Dieu. Mais il faut capable de demander, bon Dieu, est-ce que les accepter plan ça, est-ce que d'accord avec plan ça. Combien d'en ou même qui fait plan que bon Dieu, c'est seulement ouvrir, bon Dieu, c'est les plans pour vous-même. Mais on a déjà fait tout affaire déjà. Ou dis mon Dieu, seulement mettre sauce sous ça pour moi, pour me faire. Bon Dieu, pas sceller un rien qui n'est pas dans la volonté. S'il pas dans la volonté, ou obligé de recommencer à zéro. C'est ça qui fait assez souvent. Ou recommencer à zéro. Parce qu'on pas de jambes checker avec bon Dieu avant. Pour qu'on ait, est-ce que ça va faire, il est dans la volonté ou bien pas dans la volonté. C'est ça qui peut permettre que c'est un facteur. C'est un plus grand facteur qui est capable de faire nous capables de reconnaître l'humilité, le noir planifié. Pour qui raison? Pour être capable de réaliser que santé ne appartient pas à vous-même, possession ne appartient pas à vous-même, et demain ne appartient pas à vous-même, mais tout bagaille, yoshita. Non, mais, bon Dieu. Et si ça fait, l'on va faire plein, il faut dire, si li nan volonté. Ce n'est pas question de volonté, pas. Mais c'est plutôt la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, li suprême. Parce que Dieu est souverain. Lui fait salve, j'enlève, façon levé. Et si ou pas d'accord, j'en le fais là, agite à côté. Comme yon moun qui dit, yon fois, il dit comme ça, l'homme propose, mais Dieu dispose. Fait ça qui pourrait avec la suprématie de la volonté de Dieu. Leur reconnaître la suprématie de la volonté de Dieu, il y a une bonne raison pour capable faire mon Dieu confiance. Leur comprendre que bon Dieu est suprême. Lit au-dessus de tout et de tous. Ou à venir capable de réaliser un bagage côté que ou obligé, couper, et c'est ça qui prend le baou, confidence dans le plan, lorsqu'on est que bon Dieu sait les plans, depuis c'est bon Dieu qui sait les plans, ou capable d'avancer sans crainte, sans peur, parce qu'on connaît bon Dieu par chambre qui t'a échoué dans la vie. Ou bien capable de comprendre passage ça. The beauty of it is this. Beauté a c'est ça. Il y a un passage qu'on lit. Sometimes pose tête une question. Est-ce qu'on réellement comprend ce qu'on lit? Regardez. L'on lit un passage comme Jérémie 29, le verset 11. Qui dit, car je connais les plans que j'ai, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Un fond de petit campé là.
les projets que j'ai formés. Mais là, là pas le projet, ça, bon Dieu, formé pour moi. Là, pas les projets qui formé, projet dès la conception. Avant même où tu es tombé dans votre maman, bon Dieu, tu as déjà fait plein pour même. L'été qu'on a existé, le problème qui est, est-ce que tu étais dans le chemin pour jouir bénéfice que plan, bon Dieu, qui est pour vous? Je dis, moi, je suis comme ça. Bon Dieu, pas de problème avant, de pour dans le chemin côté le métro là. Si vous voulez courir, vous mettez courir. Vous voulez traîner, vous mettez traîner. Vous voulez sauter, vous mettez sauter. Vous mettez faire sauver dans le chemin. Vous voulez parler, parler. Vous voulez être en silence, vous êtes en silence. Mais de vous quitter le chemin, c'est là bon Dieu qui a un problème à voir. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est pas Dickens qui dit. Mais c'est bon Dieu qui forme le projet. L'elle forme, ce n'est pas n'importe projet. Ce n'est pas bagaille qui prend mal à l'arrivée. Mais c'est projet de paix. Pour qui raison? Pour le capable de un avenir meilleur. La parole de futur, parce que déjà un futur là, s'il connaît depuis dans votre moment, il est planifié pour vous-même. Sur tout futur, il est déjà planifié pour vous-même. Ça qui est important pour vous-même, c'est make sure que vous restez dans la volonté de Dieu. Combien de monde qui veut rester dans la volonté de Dieu? Combien de monde qui veut reconnaître pour vous abandonner plan par vous et puis vous laguer dans plan par bon Dieu? Ou faire trop erreur dans vous? Ou faire trop bêtises dans vous? Ça qu'il faut faire bêtises, c'est parce qu'on pas jamais accepté pour rentrer dans plan bon Dieu, dans projet bon Dieu pour la vie. Mais l'on finit réaliser trois réalités qui rendent et plan nous yo capable humble, mais il y a trois autres réalités à considérer. Versets 16 et 17. Trois réalités ça demandé pour nous faire qui ça? Pour nous commencer avec bon Dieu dans la soumission. Combien de monde qui voulait recommencer avec bon Dieu dans la soumission? Look at your life. Are you exactly where you want to be? Or you wish you could be? Est-ce qu'on pense que tu es plus loin toujours? Mais est-ce qu'on garde pour vous ce pagon air de désobéissance qui faut pas côté bon Dieu vous arriver? Et puis regardez, vous réaliser un bagage. Ou capable de réaliser. Pour capable de rester dans soumission à Dieu, faut constamment rester dans un état de dépendance. Combien de monde qui veut rester dépendant sur bon Dieu? Allez, l'on dépend de bon Dieu. Où est-ce qu'on fait? Frère Cap Vimbalo. Frère Cap Vimbalo, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on dépend de bon Dieu? Ou pas plein de matin, vini. Une campée d'aide. Où est-ce que les gens qui dépendent de bon Dieu? Allez, où là? Vous regardez, où là? Où là? Où là? Monsieur, pas bon Dieu? Où là? Où est-ce que les gens qui dépendent de bon Dieu? Où est-ce que les gens qui dépendent de bon Dieu? Lila, l'école, la fête d'Odine,
Ça que fait la fête d'Odine, c'est parce qu'elle connaît que bon Dieu kembil, bon Dieu protège, bon Dieu garde, et puis il dépend de bon Dieu. Lors dépend de bon Dieu, c'est pas seulement yon partie d'un corps, mais c'est tout ou même net qui dépend de bon Dieu. Lors dépend de bon Dieu, la méthode de yon en situation, pense au patab, jamais capable de sortir. Lors dépend de bon Dieu, ou pas parler pour tête, ou quitter bon Dieu, agir pour vous. Lors dépend de bon Dieu, tout ça yon dit, ou juste garder, ou avancer, parce que ça qui est important, ou dépend de bon Dieu, c'est le chien à boire, la caravane passe, parce que c'est qui est important, ou qu'on leur dépend de bon Dieu, tout bagaille qui contrôle. Bot pour sa fête. Faut soumettre plan yo. Bye bon Dieu. Lors soumettre plan yo bye bon Dieu. C'est pas love in fell. Ou intelligent toi. Ou fin fait plan et pour dire bon Dieu, si elle, non, parce que ça me va le faire. Non. Intention en même faut soumettre li, bon Dieu. Intention soit à remé faire, oui. Dis bon Dieu, m'ta remé faire tel bagay. Est-ce que l'en volonté, pas planifié, juste mande bon Dieu, est-ce que l'en volonté, moi remettre intention en même. Mais pour la gain intention non mais bon Dieu faut capable reconnaître est-ce que ça dit aller dans volonté bon Dieu est-ce que ça dit aller dans Bible là. Tan. On pas cap mener mal bon monde pour me connaître dans plan bon Dieu. Mon problème là. Tenez. Et c'est ça que fait l'intention qu'on a avant même qu'on fait. Vous voyez qui est important. Il faut chercher conseil de monde qui connaît mon Dieu. Monde qui connaît parole, mon Dieu. Monde qui a avisé ou monde qui a bon conseil pour capable faire le progrès. Question pour vous-même. Assez souvent qui sont faits. En pile, on ne peut pas même chercher des gens qui convertissent pour un mot même. Qui conseille pour le bon? Si vous ne faites pas bien avec les gens qui convertissent, qui conseille pour le bon? Vous parlez de grand monde ou fait sauver. Mais les gens qui convertissent, ils disent que je dois prier. Parce qu'il faut chercher permission. Non, mais bon Dieu. Vous supposez inviter bon Dieu dans tout engagement pour participer dans tout petit détail dans la vie. Bon Dieu ne pas veut participer seulement lors d'une emergency ou après l'île. Combien d'hommes c'est seulement qu'on a besoin d'une emergency? C'est normalement urgence seulement en compte bon Dieu. Mais depuis tout le bagage marche sur la roulette pour vous-même, bon Dieu chite à deux côtés, mon café reste là pour compte. Même le ça bon, il faut demander bon Dieu direction. Même le ça pas bon, il faut demander bon Dieu direction. Parce que ou pas qu'on est ça qui va venir demain. Et c'est ça que fait. L'on cherche bon Dieu. Et puis dans le commencement, if I may have Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6.
Pour nous arriver à faire ça, nous avons demandé à mon Dieu pour nous faire. Pour nous appuyer sur mon Dieu. Et avancer devant. Il y a des choses pour nous faire. C'est pour nous commencer. C'est pour nous demander à mon Dieu depuis le commencement. Attendez. In Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Dans Proverbes chapitre 3, verset 5 et 6, mais ça le dit. Il dit comme ça que, my English translation says, right? Trust in the Lord with all your heart. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. L'homme pense aux sages ou son monde fou. C'est bon Dieu seul qui possède la sagesse. C'est bon Dieu seul qui a gardé. C'est bon Dieu seul qui a guidé. Et l'autre, ça reconnaît-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Now, l'occasion reconnaît-le dans toutes tes voies. Il y a un bagage qui paraît là. Il demande pour faire bon Dieu confiance. Now, pour faire bon Dieu confiance, ouais. Nous croyons en quelque chose. Le nous croyons en bon Dieu, nous a placé sécurité nous dans une entité. OK? Par exemple, I can say it. It's okay to say it. It's okay to say it. Mama, it's okay to say it. Moi te fait papa mon confiance. Comme papa me qui t'a vivre sous terre. OK? Ça fait me fait papa mon confiance, ça fait me te fait le confiance. C'est parce que me te gagné confiance. Et confiance dans l'intégrité, l'habilité. Et bon caractère. Parce que moi, je connais, moi, j'ai une relation avec lui-même. Job, c'est pour me faire confiance parce que la protéger, il était seulement ouais, meilleur pour moi-même. Mes questions pour vous-même. Si je fais papa mon confiance ça, ou fais papa mon confiance ça, ou te fais papa mon confiance ça, est-ce qu'on fait mon Dieu moi-même confiance là-dedans? Dieu est digne de confiance. Parce que bon Dieu, fidèle. Mais pour qu'on ait bon Dieu fidèle, il faut prendre le temps pour qu'on ait bon Dieu. Si vous n'avez pas de monde, vous n'avez pas fait la confiance. Si vous n'avez pas de monde pour faire confiance. Et si vous n'avez pas de monde, vous n'avez pas de monde pour faire confiance. Bon Dieu a un plan pour vivre. Bon Dieu a un plan pour vivre. Et Job, moi-même, avec moi-même, c'est faire mon Dieu confiance. Parce que si vous faites mon Dieu confiance, vous reconnaissez sous tout ça vous faites dans la vie, dans tout ça vous entreprendre dans la vie, vous faites mon Dieu confiance. Et l'on fait mon Dieu confiance, c'est laisser avec vous-même sous tout chemin. Moi-même avec vous-même, je dois chercher seulement intérêt, mon Dieu, dans le plan de en premier lieu. Combien de monde qui cherche intérêt, mon Dieu, dans le plan de en premier lieu? Why would you say that, Dukens? Pourquoi ça dit ça, Dukens? Get it?
Regardez Matthieu chapitre 6, verset 33. Regardez ça, il dit, cherchez, il dit que ça, seek the kingdom of God above all else and live righteously and he will give you everything you need. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le chercher royaume bon Dieu dans tout ce qu'on fait. Tout reste bagaille là-bas où yo parce que c'est dégueu que yo pour qui raison? Et rien n'est éternel. Mais seule la vie éternelle est éternelle. Pas grand-chose qui est éternel sous terre, mais la vie éternelle, seulement qui est éternelle. Et l'on cherche la vie éternelle. Ou je ne tout reste bagaille. Tout reste bagaille, c'est fatra, c'est garbage que tout prale. Si but final, non, c'est pour nous vivre et pour nous pouvoir y avoir peut-être pas non, ou libérer pour servir le royaume de Dieu. Mais si but c'est pour faire la volonté de Dieu, pour être dans la présence li, pour abandonner plan yo, ben plan pa yo. Oh, reconnaître ou gon espérance. Lors fin fait plan yo, faut continuer à prier. Mande mon Dieu sagesse. Invite mon Dieu dans planification. Yo. Well, you know why I said that? Vous comprenez raison? Il y a un grand passage dans la Bible qui réellement est très simple. Moi-même avec vous-même, je pense que nous n'avons pas même prêté attention avec les mêmes. 1 Thessaloniciens 5, 17. Il dit, never stop praying. Priez sans cesse. L'on a invité mon Dieu dans ce qu'on fait. L'on a invité mon Dieu dans la planification. Je me disais comme ça la semaine dernière. Mon chat que je remets, les membres, dès qu'on me met dans le jeune longtemps, il dit, diable a fouillé tout lit, il est tombé la donne. Et quand l'autre chat me remet, il dit, I surrender all to you. Unto thee, my precious Savior, I surrender all to you. Vous capable de me donner plan ou yo au plan de Dieu pour accepter pour le capable de plume rouge pour la corriger et pour le bon métaux propre. Parce que c'est petit ou c'est élève, c'est la seule façon capable pour tes succès dans la vie. Que mon Dieu bénisse.